Bonjour, aujourd'hui on va se faire une glace Oreo, on va se faire un ice. Voilà, donc ma glace a maturé, je l'ai bien mixée, je l'ai mis dans la machine à glace à l'italienne. J'ai commencé à mettre des petits ronds, des petits Oreo dans le moule. Maintenant, je vais mettre une couche de glace et je vais essayer de mettre un petit peu de poudre. Donc j'ai mis plusieurs couches, à chaque fois j'ai mis ma poudre de Oreo. Maintenant on va remettre des petits donc là je vais le mettre dans la cellule de refroidissement pour bien me le geler à fond et on va attendre un bon petit moment pour pouvoir le démouler. D'accord. Après, question décoration, moi je suis pas le roi de la décoration, hein, c'est vous les artistes. Du coup,
Il y a moyen de faire un peu sur les bords, un peu comme si on mettait de la chantilly, comme une forêt noire. Hein. Mettez ça et après vous allez pouvoir mettre tout autour, d'accord? Le dessus, pareil, avec de la glace, on peut le faire comme ça. On peut tout recouvrir, on tire encore d'un peu de glace et du coup, on retire tout, je veux dire, on couvre tout dessus, pareil, et après décoration. En fin de compte, la décoration, c'est ce qui va être votre signature, en fait. L'autre fois, on parlait de la signature, vous voyez, c'est ça. Vous pouvez chiader le truc parce que vous êtes des meilleurs. Et voilà, si vous êtes bon, doué pour la décoration. Moi, je me rappelle quand j'étais pâtissier, putain, quand il fallait écrire au cornet, oh. J'écris mal avec un stylo, j'écris mal avec un cornet. Hein. Il n'y a pas de problème. Heureusement qu'il y a un ordinateur. Quoique maintenant, ça existe. Hein. Moi, j'avais vu une imprimante qu'on pouvait imprimer sur les gâteaux. Hein. Donc, du coup, voilà. Hein. Bon allez, on se retrouve tout à l'heure et on va voir ça. Vous avez vu par contre, ça prend une quantité. Là, c'est des moules qui font 4,5 litres, hein, d'accord? Donc, ça prend une quantité de glace qui est phénoménale. Si vous avez une machine qui n'est pas très puissante, eh ben, du coup, ça va être un peu le bordel. Il va falloir faire un plein d'étapes, d'accord? Là, du coup, j'ai pas pris la plus grosse, mais j'avais pris la machine un peu plus puissante parce que avec la 1 par fin, ça n'aurait pas fait, d'accord? Avec le Turbolab, c'est ça qu'il fallait, d'accord? Le Turbolab, on peut remplir entièrement, je veux dire, c'est pratiquement en continu, d'accord? Il y a 6 litres de glace de près, donc c'est quand même pas mal. Ok? Allez, on se retrouve tout à l'heure. Donc, mon gâteau est fini. Du coup, on l'a monté comme ça. Maintenant, je l'ai mis dans le surgélateur pour bien le faire durcir. Donc là, il est à moins 36. Et du coup, je vais le démouler. Donc, on va démouler le petit gâteau. Bon, ça fait quand même pas mal joli. On va essayer de là, je vais voir si j'arrive à trouver un support parce que du coup, on n'est pas une boutique, hein, d'accord? Et du coup, on peut soit le laisser comme ça, si c'est bien joli, soit aller carrément faire comme un peu comme une forêt noire, d'accord? On va prendre des petites paillettes qu'on va mettre dessus ou alors on peut prendre encore un peu de glace à l'italienne, de la badigeonner dessus et de le faire, ok? Donc voilà, vous voyez, bon comme je vous disais l'autre jour, je suis pas le roi de la décoration, d'accord, du coup, moi je vais surtout les vanneuseries, je m'en rappelle. Hein. Je suis pas mauvais, hein. Je préfère les autres aussi. Du coup, voilà, donc ça, c'est une idée, je vous dis, c'est un business, il faut pas rater le coche, d'accord. Vous dites, tiens, je voudrais lancer mon business dans la glace, vous allez vous inscrire à la chambre des métiers, comme nous, hein. Nous aussi on est des artisans, d'accord. Du coup, voilà.
et vous allez pouvoir commencer à fabriquer votre glace et vos gâteaux, tout ça glacé. Ok? Et là, je vous dis Instagram, vous commencez à faire des beaux gâteaux, des beaux desserts avec chiadé en décoration, d'accord? Moi, ce n'est pas mon truc encore, comme je le dis. Mais vous, je suis sûr que vous êtes des artistes. Du coup, il y a moyen de faire un truc, d'accord? Vous faites des belles photos et il ne faut pas hésiter, d'accord? Pour les photos, pareil, si vous êtes une branque, eh ben, prenez quelqu'un qui est super bon, d'accord? C'est super important. Vous faites ça, vous balancez sur les réseaux sociaux des petites vidéos, des petits machins, etc. Et après, vous allez voir, les commandes vont arriver parce que les gens vont trouver ça beau, ils vont dire ça va être bon. Ouais, alors par contre aussi, d'accord? Vous lésinez pas sur le produit, vous prenez de la qualité. Et vous faites des trucs vraiment bons, d'accord? Si c'est pour acheter un truc de grande surface, c'est pas la peine, hein? Les mecs ils vont dans les grandes surfaces, d'accord? Allez, je vous dis, ben, j'espère que cette vidéo sera utile. Je vous remercie pour les pouces bleus, mettez-en deux si vous voulez, hein? Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.